Les Jeux olympiques d'hiver viennent tout juste de se terminer et on parle déjà de ceux de 2024. Pour rappel, ils vont se dérouler à Paris et on l'a appris aujourd'hui, c'est une information BFM Lyon, la flamme olympique ne passera pas dans le Rhône. Amélie Duchamp, vous m'avez rejoint sur ce plateau. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette décision? Eh bien, la faute au coût du passage de la flamme, car le comité d'organisation des JO demande 150 000 euros plus 30 000 euros de taxes diverses et variées. Ça fait 180 000 euros pour voir la flamme passer sur le territoire. Le département du Rhône juge la somme exorbitante, sans compter qu'il faut sécuriser l'événement et prévoir toutes les animations qui vont autour. Ça commence à faire beaucoup pour une manifestation qui ne dure qu'une journée. Le département du Rhône explique d'ailleurs que 150 000 euros, c'est presque le montant total des subventions allouées au comité sportif en 2021 et que dépenser cette somme est un luxe que la collectivité ne peut pas s'offrir. Alors, qu'est-ce qui fait que ça coûte si cher finalement? Alors, du côté du comité d'organisation des JO, on explique que la logistique, la signalétique, les relayeurs et les différentes animations coûtent très cher, surtout que la flamme traverse la France pendant 3 mois. La somme demandée au département suffirait d'ailleurs à couvrir seulement une partie des frais engagés. Pour faire passer la pilule, le comité d'organisation des JO propose aux collectivités d'échelonner le paiement de cette somme sur 3 ans, mais ça ne semble pas convaincre toutes les collectivités. Parmi les départements voisins du Rhône, l'un réfléchit encore, l'Isère réfléchit encore. Pour la Saône-et-Loire, c'est non, la flamme ne passera pas sur son territoire, comme le Rhône. La Loire, par contre, espère, elle, que la flamme passera sur le territoire. Alors, il y a encore un tout petit espoir de voir ce flambeau près de chez nous, car la métropole, qui a un statut particulier, qui remplace le département sur tout le territoire métropolitain, n'est pas encore décidée. Une réunion téléphonique est prévue entre le président du Grand Lyon, Bruno Bernard, et le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, en début de semaine prochaine. Et on en saura donc plus à ce moment-là. Très bien, merci beaucoup Amélie.